Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on est sur les terres de Hombourg-Budange pour une course un peu particulière. On est parti aujourd'hui pour une course en duo avec Jérémy Schirmer, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Ça va être une course qui va durer 6 heures, c'est un peu un format particulier, j'ai pas l'habitude, d'habitude c'est des manches de 25 minutes et 2 tours. Aujourd'hui départ 11 heures. Arrivé 17h à 2 sur forme de relais. On va rouler, je pense, environ à peu près 1 heure chacun. Le circuit, c'est pas que un terrain de cross, c'est de l'enduro, du cross, une prairie. Il fait environ 13-15 minutes, je crois, le tour. Ça va être incroyable. C'est vraiment, c'est une des courses que j'adore faire en fin d'année pour vraiment s'amuser, relâcher la pression de toute l'année. Clairement, le but de la journée, c'est de prendre 100% du plaisir. On a fait une spéciale déco blanche pour aujourd'hui. Grand merci à tous mes sponsors qui sont sur la déco. Un grand merci à Quentin pour le kit plastique QBMX Cool, à Noni, mon graphiste, pour la déco. Franchement, c'est la meilleure moto que j'ai jamais eue. En tout cas, on va essayer de la mettre le plus en haut du classement possible. C'est parti, on va aller passer le contrôle technique, on va aller se préparer et à 11h, top départ. Vous avez des gens qui viennent de l'extérieur? Oui. Super, merci. Il n'y a pas de bracelet, pas de moteur. On vient de récupérer le transpondeur. On aura chacun un transpondeur. On part pour la journée. Contrôle technique. Maintenant, on va aller passer la moto et après, ce sera parti pour 6 heures. 6 heures de course non-stop. Voilà. Et après on viendra au départ et ça sera parti pour les 6 heures. Thank you.
One eternity later. Le terrain il est défoncé, archi plat. Non, je rigole là. Il y a des trous partout, c'est la mort. J'ai mal au dos, à mon avis, je vais prendre rendez-vous au kiné carrément. Ah. On est toujours troisième, hein? Ouais. Ouais, je crois, ouais. Ah, c'est bien ça. Allez, on se repose. Et encore une. Normalement, une séance encore. Ça sera fou. La deuxième. Allez, on peut s'il vous plaît les applaudir très 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 fort. Félicitations à vous en tout cas, 6h, départ depuis 11h ce matin, arrivé ce soir à 17h, on peut les féliciter d'aller essayer d'aller rechercher cette première place. Merci. Bon les gars, j'ai une coupe à la main donc c'est bon signe, fin de la vidéo, fin d'une journée, j'ai tout donné. Moi et mon coéquipier et moi plutôt, Jérémy, on a tout donné, franchement on a donné notre maximum, ça a fini avec une troisième place au scratch, donc on a terminé troisième sur à peu près 160 pilotes
le job il est fait, l'objectif on s'est fait plaisir, on a kiffé, j'ai kiffé. Félicitations du coup au motoclub, c'est tous les ans, c'est un régal. L'année dernière j'étais blessé mais il y a 2 ans je l'avais faite et j'avais adoré. Rendez-vous pour nous, bon, en tout cas la semaine prochaine. Ah oui, merci aussi à la Ligue Moto Grand Est que j'oublie pas, merci de me soutenir et de me permettre de faire de ces vidéos. Rendez-vous la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo, c'était M1 Motocross, faites-vous plaisir, mettez du gaz, mais faites toujours attention à vous. Ciao! Ah oui les gars, et pour ceux qui se demandent, la nouvelle collection arrive sur mr-motocross.fr très prochainement, restez connectés.